Nous sommes au sud de Paris, dans le parc Montsouris, aménagé au temps du Second Empire. Nous allons faire une promenade de 6 km qui va nous amener à voir également la Cité internationale universitaire. Traversons le boulevard Jourdan pour pénétrer dans la Cité internationale universitaire. On franchit la voie du tramway. Là, c'est la gare du RER. La création de la Cité internationale universitaire eut lieu dans le contexte pacifique de l'entre-deux-guerres. Il s'agissait d'imaginer un endroit où les étudiants du monde entier, et notamment les Français, les Allemands, cohabiteraient harmonieusement, apprenant à se connaître et à s'apprécier. La première pierre fut posée en 1923 dans cet endroit où il y avait auparavant les fortifications de Thiers. La construction de cette cité fut parrainée par des mécènes tels que John Rockefeller. Buste d'André Honorat, le créateur du CIT. La cité fait 34 hectares. Elle accueille 4700 étudiants de 141 nationalités. Cette vigne vierge n'a pas encore rougi. Les bâtiments de la cité universitaire sont soignés. Pour reconnaître ce conifère, il faut être spécialiste. Le pavillon mexicain. Ce qui fait le charme largement de cette cité universitaire, c'est qu'elle est très boisée. Les éléments de grosses briques et de pierres sont très agréables à l'œil. Ce bâtiment est le collège franco-britannique. La fondation Biermans l'apôtre. Très beau bâtiment. L'aspect de cette fondation est absolument grandiose. Avec le recul, c'est de plus en plus beau. Avenue David Veil. Maison de l'Italie. Serait-ce un beau cyprès toscan? Un style très italien. Le pavillon des étudiants suédois.
la Fondation Suisse, la Maison du Japon. La Maison du Japon et la Fondation Satsuma. La Fondation danoise. C'est en face de la Fondation danoise, avec le recul, que la Fondation du Japon nous apparaît sous son aspect le plus typique. Il a fait le tour. Un peu plus loin, dans un joyeux fouillis géographique, la Maison de l'Inde. Maison de l'Inde. Très joli. Maison du Brésil. L'arrière du collège franco-britannique. Les ombrages de la cité universitaire. Le Mexique. Nous repassons à l'arrière du pavillon du Mexique. Le bâtiment central. La pelouse est bien verte et arrosée pour un été particulièrement sec. La grande pelouse a subi des dégâts à l'automne dernier. Elle est en réfection. Fenouil. Un arbre tout à fait curieux, je ne le connais pas. Nous sommes à proximité du pavillon du Cambodge. Un véritable petit château à l'usage des étudiants.
Il y a beaucoup de curiosités, décidément, dans ce parc. Devant le bâtiment de la fondation Heinrich Heine, l'Arc pour la paix. La maison Heinrich Heine est bien entendu la fondation de l'Allemagne. La maison des arts et métiers est en rénovation. 'Centre de valorisation du patrimoine. Les cours de tennis des étudiants. Cèdre pleureur. La fondation Deutsche de la Meurthe, Émile et Louise, a été la première à s'élever ici en 1925. Encore plus spectaculaire de ce côté. Parmi les endroits de la cité universitaire qui ont le plus de charme. Glycine. C'est vraiment un endroit méconnu de Paris et qui mérite le détour. Bâtiment du concierge. Un beau lilas des Indes. À présent, il nous reste à voir les pavillons des provinces françaises.
ces bâtiments sont moins spectaculaires que la fondation Deutsch de la Meurthe. De ce côté, déjà, c'est plus joli. Voici la maison des provinces de France. Le bâtiment grec se trouve juste à côté. Quelques frises décoratives. Les hermines de Bretagne. La croix d'Occitanie. Les bandes jaunes et rouges de la Catalogne française, Roussillon. Le lion des Flandres. La Normandie. La Savoie. La Bourgogne, le Dauphiné, la Champagne, pavillon de l'Asie du Sud-Est, Pays-Bas, ils auraient pu faire des pignons. À cet endroit pousse un gledizia, un arbre avec des épines sur le tronc. Voici qui termine cette balade dans la cité internationale universitaire. On termine donc par la maison de Cuba. On ressort par la fondation hellénique. Un petit coup d'œil, elle en vaut le coup. Donc là, il y a, c'est fini, il y a les Guernica en ce moment. La sortie ici, maison de la Tunisie. Et en face, la fondation de Monaco.